Je bats des gants. Ah oui, changement d'ambiance d'un coup. Si. Oh my god. C'est l'angoisse en vrai, les chambres comme ça. Ah! Oh, attends, frère. Oh my god. Oh, frérot. Attends. Je fais quoi, moi, oh? Y a une musique à changer? Je suis en train de me chier dessus, vraiment de fou! Master bedroom, other bedroom, living room. D'accord. C'est quoi aussi ce téléphone? Il y a 18% de batterie. Il est 8h presque. Volume. Ah ouais, non mais c'est une dinguerie, on peut régler le... Mais c'est une dinguerie. On peut régler les paramètres via le téléphone. Are you currently situated in your home? Frère, il me pose des questions, je sais pas parler anglais. Are you currently situated in your home? Bah yes. Yes. Du coup, ça parlait de poupée et de quelque chose. Oh, la lumière, elle s'est éteinte, elle s'allumait. La lumière, elle s'est éteinte, elle s'allumait toute seule. Mais jamais je monte. Oh, putain, j'ai failli l'insulter. What the fuck? C'est quoi ça? Ramasse-le! Je fais quoi la poupée, wesh? Éteins ça. Les touches à l'anglaise en plus, ça me fout le stress, frère. J'avance, en fait, je peux pas avancer, c'est W. Ouh! La lumière, elle s'est éteinte, rallume! Mais jamais de la vie, je vais dans la salle de bain, frère. C'était pas comme ça, la salle de bain. Le téléphone, peut-être il y a des questions. Eh ouais, il y a un délire avec les téléphones. Je rentre dans la salle de bain. Et donc, et après? Ok, il y a un mot. Je m'enferme. Enferme. Oh la putain! Non, c'est pas le moment. Laisse-moi lire au moins. Ça bouge! Wesh, y a quelqu'un juste ici. Mais non, mais c'est une blague. Je vais y aller. Elle est encore là ou elle est... Elle a téléporté. Tomber dans les escaliers, se casser le bras, d'accord? Oh, elle voudrait tomber dans les escaliers, se péter le bras. Ah oui, ok, c'est en fait, en gros, ok. C'est lui qui m'a dit d'aller à la salle de bain. Est-ce que ça fonctionne correctement? Oui. Elle m'entend? Elle vous a entendu, cachez-vous. Oh putain de merde. J'essaye de rigoler, mais on va se mâcher un screamer dans pas long en vrai. Elle va spawn comme ça sur le téco, je vais pas comprendre. C'est la musique du début. Elle arrive. Je suis pas caché. Je suis bloqué, frère. Comme par hasard, je peux pas reculer. Maintenant, je peux reculer. Bon, j'ai pas compris trop à quoi elle ressemblait. Vraiment, j'ai pas le temps. Ah, j'ai fait pipi. Hein. J'ai fait pipi. Y a un truc. Ramasse-le, votre cocheur. Non. On va continuer avec le téléphone. You do enjoy the song? J'adore. Est-ce que vous êtes en train de mentir? Yes. J'ai pas envie d'ouvrir. Ça vient d'où ça? Oh putain, y'a du sang par terre! Prends ça. Putain! Lilith note 2. Oh la statue elle est plus ici. Ok. Va falloir monter. Je le sens. Oh la clé! Je ferme la porte. Je prends la clé, je me cache direct. Ça s'est éteint ici à ma gauche. C'était allumé, je crois. Oh là là. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il s'est passé une dinguerie ici. Elle m'a bloqué le passage. C'est quoi ça? Elle est debout, je l'ai vu. Faut se cacher. Je me cache. On va lire. Non, ça va. J'ai entendu aller à droite. Elle a commencé à pleurer. C'est tout, voilà. Attends, elle est là? Mais c'est son ombre. Qui c'est ce truc? Ferme la porte. J'aurais jamais dû faire ça en vrai, mais c'est pas grave. Bref. Wouh! Let's go! Putain de merde. Allume la lumière!
Mais du coup, en fait. Wow, le téléphone, calme-toi. Eh, y a pas trop le choix d'y aller, je crois. Allez, bonhomme, hein. Oh. Ah, toute seule, comme une grande, d'avancer et de disparaître. Elle a laissé un message. Ferme la porte, éteins ça, dans un coin, bouge plus. Est-ce qu'on peut lire tranquillement ou c'est tendu? Attends, mais le jeu il continue en plus! Pendant que je suis en train de lire! Non, mais ça c'est flippant ça! Ouvre la porte! Je peux pas ouvrir la porte! Elle fait des spasmes bizarres là devant moi. Elle est énervée, je pense. Elle est vénère de fou. Je veux pas avancer moi, personnellement. Je veux juste ouvrir ici. Je peux pas ouvrir. Mon personnage, il fait des trucs bizarres aussi, là. Qu'est-ce qu'il fait, mon perso? Elle est en train d'arriver. Elle est en train d'avancer. Elle est en train d'avancer. Putain, t'es pêche. Ok, c'est pas exprès. Ok, 30 secondes. Ferme la porte. 8, 9, 2, 6, 2, 6, 4. Allez, c'est bon, toi, on a compris. Je suis fort, là. Oh là là. C'est quoi, ça? Je savais même pas, j'ai cliqué sans faire exprès. Oh, je dois pas faire ça, c'est vrai. Ok. Et on finit par le dernier. Let's go. Il y a une porte qui s'est ouverte. Ok, il y a un tableau avec du sang. Et on va prendre ce truc. Ok. Les vitres se sont cassées. Lilith note. Oh, peu cher, je peux pas bouger. Oh putain. Aujourd'hui, je me suis réveillé, putain, j'avais les champignons, frérot. J'ai fait un salto, là. Je me suis niqué les guibolles. Oh. Ça a changé un petit peu ici. Ok, tous les quatre sont tombés. Ok, dans 250 secondes, on a un indice sur ce qu'il faut faire. On va descendre. Oh putain. C'est le tableau. Il y a deux lettres. On les prend, on se cache direct dans le placard. Ou pas en fait. Elle arrive. Putain, c'est pas un placard. On s'en fout. On se cache. Let's go, on va lire. C'est bon toi, frère. T'es pas fou. Ok, ici c'est éteint, c'était allumé. C'est pas normal. Ah, ça c'était pas... Ça c'est pas prévu. Ça vraiment, c'était pas trop prévu dans mes plans. Je suis bloqué. Ah ouais, il faut allumer la télé. Spider-Man, il a dit. Je peux pas ouvrir la porte, ça c'est certain. Ah, je suis bloqué, faut que j'attende qu'il termine. Je te laisse gérer. Pas l'éteindre, laisse pas la neige sur écran. Putain, c'est vrai, faut pas laisser. Putain! Elle arrive! Allez, ferme la porte! Eh ouais, frère! Mais c'est pas ma faute! Elle a tapé! Je suis pas là! Y'a des gains! La police! Bon, lui, belle! Fais-lui un bisou! Belle la police! Ah bah, tu crois, on lit! Elle veut rentrer, elle rentre! On a ce qu'il faut! Oh! Oh la putain, ça j'aime pas ça! Du coup, elle voulait vraiment rentrer, hein! Ah, elle forçait! Bon, la télé, on peut pas l'éteindre, malheureusement! C'est de plus en plus, c'est de plus en plus compliqué l'histoire là. En question ? Cavale ! Cavale ! C'était fait exprès. C'était un script. Et on a une nouvelle note, c'est parti, Marcus note 4. Eh na, comment ça se passe ? De la musique. Elle me bloque le passage. La lumière vient de s'allumer dans le couloir, on l'a vu. Wow. Comment elle s'est arrêtée de bouger quand j'ai fait le zoom? Bref, je sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Ah, elle me tend la main. J'ai l'impression qu'elle me voit bien. Ouais, elle me voit même très très bien. Et lui un bisou. De loin? Un petit bisou de loin, pourquoi pas, ouais. Eh ben, on va y aller. Le truc avant que je... On va y aller. Elle a plus là, tout ça pour ça. Non, elle a pas ouvert la porte. Non, elle a ouvert la porte.
Je garde la lampe ouverte, mais je regarde pas. Allume, on peut pas, comme par hasard. Il y a une note. Oh! Elle était là, elle était juste là. Elle vient de descendre l'escalier. Let's go! Oula, oula! Ça, ça me plaît pas du tout. Dans 118, 188 secondes, j'ai un Aegis. Arrête de pleurer. J'aime bien lire dans un coin calme. C'est quoi ça? What? Ça veut dire quoi? On peut interagir. Ok. Oh! Bah, je comprends pas. Je suis mort, je suis mort, je suis mort, je suis mort. Je peux pas reculer. Elle va me sauter, elle va venir, elle va venir. Je peux pas reculer. Elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive, elle arrive. Bon, pour le coup, ça va, je l'ai vu, c'était pas trop flippant. Ok, on est de retour ici. À chaque fois, elle me prend, elle me remet dans la chambre. Oh, bonjour. Qu'est-ce qu'on fait? On va l'aider ou pas? Bon, non, en fait. Il y avait un truc dans la radio comme quoi il était dans un état entre la vie et la mort, et c'était Joseph Walker, donc le père. Ah, d'accord. Ok. Même menu. Bref, bon, on a terminé du coup. On l'a fini.